Et salut YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero. Alors là, pour le coup, vidéo très simple, lors de mon dernier stream, j'ai fait pas mal d'invocations, dont quelques invocations sur la nouvelle carte d'All Might, la carte active qui est vraiment, vraiment très forte. Si vous pouvez la voir, franchement, n'hésitez pas. Donc là, il y a eu une trentaine d'invocations en tout, en prenant en compte du coup la carte All Might, les tickets de personnages, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas les partager avec vous. Pour venir voir tout ça directement en live, vous avez le lien Twitch en description. Avec bien sûr mon Discord où il y a mon planning de chaque semaine, mais aussi une centaine de personnes avec qui vous pourrez discuter, échanger, jouer ensemble, etc. etc. Ne vous inquiétez pas, il y aura très bientôt du contenu un peu plus qualitatif sur la chaîne. Bon, je ne vais pas faire de tuto sur comment avoir plein de stamina, etc. etc. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de youtubeurs qui sont amusés dès le day one à faire ce genre de tuto. Donc vu que j'ai pris le train un petit peu en retard, je vais simplement plutôt faire des tutos personnages. En effet, là ça fait 2-3 jours que je me bute vraiment sur certains personnages dans le but de vous montrer un peu tous leurs combos, comment monter leur aura de talent, etc. etc. Pour les deux premiers, je vais faire Ochako et Aizawa, et pour les suivants, on verra. Si tu penses que ce genre de contenu pourrait t'intéresser, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça fait énormément de soutien et ça m'aide énormément, donc merci à vous. Sinon, moi je vous souhaite un excellent visionnage, à la prochaine, tchuss. Donc on va faire une trentaine, enfin allez, 25 poules, exactement d'ailleurs. 8 persos comme ça, non 7 persos, 8 cartes et 10 tickets comme ceci. Pour avoir la fameuse carte d'All Might qui a 3% de chance d'arriver, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Mais bon, sait-on jamais. Si elle tombe, ça va carry très clairement. Et vu que je ne poule pas sur Stain, voilà, je me ferai une petite multi sur la carte All Might l'active. Qui paraît ça carry, donc si on luck, on luck, hein, serait cool. Bref, pour l'instant, on va commencer par les petits pools des cartes. Voilà, en single, hein, afin de faire d'acheter des tickets pour ça. Petite single une par une. Les fameux B qui marchaient bien. Qui marchaient bien. Je pense que j'aurai une pity, au moins celle à 10, hein. Logiquement, je suis pas trop fait gaffe, mais... 3... Non, pas du tout, il va m'en manquer une. Un peu relou, ça. Un petit peu relou. Tant pis, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Alors, pour l'instant, ça drop que dalle, ça c'est sûr. Okamo Chako, non. Après, j'ai déjà une carte d'Ochako, donc peut-être c'est pas une bonne idée de mettre encore Ochako, parce que si je chope la même, ça va être un peu relou. Mais après, est-ce qu'il y a autre chose qui m'intéresse là? Bah, Fumikage, hein, clairement. Clairement, clairement. Donc, ouais, je pense que ça va partir sur Fumikage. Hop là. Sait-on jamais si on drop? Toujours rien. Je suis à combien de l'appétit? J'en suis très loin, d'accord. J'ai drop il n'y a pas si longtemps que ça. Vu qu'ils sont pas non plus hyper généreux en tickets, forcément. Ils ne montent pas très vite. Bon, pour l'instant, même pas de petite cache étoile. Genre, c'est la dèche. Toujours pas. Pas cool. Dernière carte. Même pas l'appétit, donc ouais, vraiment que de la merde pour les cartes. J'espère que ce sera pas comme ça tout le long, ça va être un peu relou sinon. Alors, c'est Tipa. Pour les persos, c'est un peu plus intéressant déjà. L'appétit, on est bien avancé, ça monte petit à petit. Dans tous les cas, j'aurai au moins l'appétit à 10 qui va être débloqué. Donc dans le pire des cas, j'aurai un perso B. Ça peut toujours être sympathique, sait-on jamais. Alors, là, ce que j'aimerais le plus dans les S serait Shoto et Momo. Surtout Momo, peut-être d'ailleurs. Enfin, un perso technique, quoi. Tant que Endeavor n'est pas là, au niveau des persos techniques, c'est un peu compliqué. Char de Bakugo, malheureusement, je ne l'ai pas. Je ne le veux pas spécialement, en plus.
une charge de Ojiro, je crois. Mon pareil, je ne joue pas du tout. Je crois qu'il est niveau 10 encore. Je vais avoir que des shards, genre vraiment. Genre vraiment. Début d'invocation qui est juste nul, genre c'est ennuyeux là. Au secours. Encore une shard. Bon, je vois la pitié quoi, mais. Please. Please, please, please. Ouais, bah. Ah non, en fait, il me passe la shard de Choto, voilà, pour le dropper maintenant, en fait, c'est ça. Alors, Choto. Choto. Ça passe? Pas du tout. Et ben dommage. On aura avancé la pitié. Toujours ça de prix. Et puis maintenant, on va se lâcher un petit peu. J'ai pas mal de coins. Je ne compte pas plus sur Stain. Donc, une petite multi sur la carte. Voilà, si ça drop, ça drop. Tant mieux, hein. Et sinon, bah tant pis, peut-être j'aurai d'autres bonnes cartes, ça pourrait être sympa également. Alors, tag, on va mettre une petite multi, c'est ça, les 2500, voilà. Hop là, c'est quand même mal aux fesses, mais c'est pas grave. Et pareil, on va tout faire en single, je pense. Moi, je suis quand même bien fan des singles. Remarque, je sais pas, une multi, on voit. Allez, petite multi, j'en fais rarement. Alors, all might, ouais, flamme d'écrire, hop là. Et non, pas de S, pas de S, mais une active encore, 5 étoiles, je l'ai déjà, ça fera un doublon, mais c'est pas très grave, ça reste une active. On n'aura pas le quai. Elle a pris une passive, et... Ok, en tout cas, en termes de drop, c'est quand même sympathique. Bon, bien sûr, j'ai eu que des doublons, rien de nouveau là-dedans, mais... l'active servira. Cette carte là est pas dingue, je crois. Par contre, j'ai rien dit, elle est bien. Donc c'est cool. Et ben voilà, ben on va s'arrêter là. Puis dommage. Bon, finalement, voilà, il me restait 5 petits tickets à récupérer grâce au trainee Bakugo. Pensez bien à le faire ici. Et pareil, tous les petits événements à faire sur le puzzle là, qui donne parfois des petits trucs d'invocation. Donc n'hésitez pas à les faire. Bon, go claquez-vous les 5 derniers tickets. Il n'y aura pas de pitié dessus, du coup on n'est rien garanti du tout d'avoir. Mais après, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit truc qui tombe. Ça pourrait être cool. Voire limite, pourquoi pas un doublon de Fumikage ne me dérangerait pas non plus. En vrai. En vrai de vrai. Mais bon, déjà drop, quelque chose, ce serait cool. Ou alors une autre Chaco pour avancer là, je sais pas. Juste drop, déjà ce serait sympathique. Ok, un doublon de Redo Rayoto. Pourquoi pas, c'est un bon personnage. Clairement, il fait plaisir. Ensuite. Une charge de Tenya. Tenya qui est vachement, mais vachement sous-côté. Moi, ça me choque quand même. C'est pas si mauvais, Tenya. En PVE. Une fois que ton passif tout est bien chargé, tu fais des clacasses. Assez insane. Ok, un petit achievement. Et dernier tirage. Sait-on jamais. Et bah non, que des shards. Enfin non, on a eu un petit Red Riot. Donc voilà, la pitié qui avance. Bon, j'aimerais bien drop avant la pitié, mais bon, si j'ai pas le choix, bah tant pis, ce sera comme ça. Et voilà encore 5 petites cartes qu'on a grattées avant la fin du stream, puisqu'on va les claquer. On va tout commencer dans la vidéo. J'espère que cette fois, on va avoir un truc cool. On y croit. Let's go. Ah, c'est la garantie, c'est la pitié, c'est la garantie. C'est toujours utile, ça, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Juste, je l'ai en 25 fois, quoi, mais par ça, voilà. À la prochaine pitié, donc dans 11 pour les 5 étoiles. On n'est pas avant. Après, voilà, si je peux avoir une petite 6 étoiles de Fumikage, par exemple, je dirais pas non, quoi. Bon, pour l'instant, c'est pas dingue. On va pouvoir retourner faire un petit peu de fusion après. Ouais, on sera full fusion, tout ça. Yes, let's go. C'était éclaté au sol.